Dans la cour de la Bourse de Bamako, les membres du collectif, on a tout compris, rejettent l'idée même d'une armée malienne reconstituée. Et pour leur porte-parole, Adama Ben Diarra, l'armée loyaliste se doit de contrôler tout le territoire. C'est une humiliation vis-à-vis que l'armée soit une armée reconstituée. Un groupuscule sous la bénédiction de Paris ne peut pas se lever et tuer des Maliens et qu'après on soit comme récompense, comme prime à ce barbarisme que nous plions face à cela.